Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors si aujourd'hui je suis équipé en sapeur-pompier taïwanais, c'est pas parce que je vais partir au feu, non, c'est parce que je vais participer à un entraînement avec les pompiers de Kaohsiung, les pompiers de Taïwan. Et voilà, ils m'ont équipé comme eux pour que je puisse les suivre dans leur entraînement. Donc voilà, l'entraînement c'est quoi? C'est un feu qui a lieu au 11e étage d'un building. Donc là, ils vont faire la reconnaissance, ils vont devoir certainement casser une porte, monter en haut avec tout le matos. Ça va être ça le thème de la manœuvre d'aujourd'hui. Oui. Ok, on regarde, okay, et on note. Okay. Donc ça, en France, c'est le tableau des reconnaissances, tableau de gestion de reconnaissance. Donc voilà à quoi ça ressemble. Donc là, il faut mettre la clé. Voilà, la clé ici, la clé du détecteur d'immobilité, on pose la clé là. Comme ça, avant de rentrer au feu, on sait qui est engagé, combien il a d'air dans sa bouteille, et voilà, on sait tout. En fait, la disqueuse c'était pour ouvrir la porte. Voilà, ils ont simulé, ils ont découpé un poteau qui a rien à voir, mais c'était juste pour simuler. Ils ont une petite disqueuse qu'ils transportent avec eux. Ensuite, ils ont testé la porte et ils ont ouvert la porte. Donc voilà, donc l'incendie n'est pas ici. Donc du coup, là, ils rentrent et ils vont monter tout leur matos jusqu'à l'étage où le feu est, en fait, tout simplement. Donc là, en fait, on peut voir qu'ils font l'établissement d'en bas jusqu'en haut. It's finished. Good job. Good job. OK, 这样子，这样子。 I like this. 哦，这是东北龙卷风。 Yeah. OK. In a normal situation, we will make it a fire car. Put off the water. Yeah, 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 okay, okay. For the 水袋怎么讲？ What is it? The yes, yeah. In French, it's tuyau, but tuyau. In English, I don't know. Yeah. C'était cool cette manœuvre, non? On est à Taïwan, les amis. On est à Taïwan.
Alors voilà, pour faire un peu le débriefing de ce qui s'est passé, donc en fait il y a eu un feu au 11e étage. Donc alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont arrivés en bas ils savaient pas où c'était. Donc du coup ils ont cassé la porte d'en bas, et donc en fait ils se promènent toujours avec une petite disqueuse. Donc ils ont cassé la porte, bien sûr ils ont simulé. Une fois qu'ils ont testé la porte, ils ont fait le test du feu comme si le feu était au rez-de-chaussée en fait ici. Donc du coup après ils sont rentrés, donc le feu n'était pas là. Alors du coup ils sont partis avec les tuyaux sans savoir où exactement était le feu. Donc ils sont montés jusqu'au 11e étage. Donc non, ils sont montés jusqu'au 9e ou 10e étage. Donc ils m'ont expliqué qu'en fait eux ils s'arrêtent un étage ou deux étages avant le feu pour établir la lance en fait, tout simplement. C'est un peu comme en France. Et donc du coup après ils sont montés à l'étage où il y avait le feu, l'étage concerné par le feu. Ils ont testé la porte et ils sont rentrés à l'intérieur. Donc voilà, c'est tout ça, c'est un entraînement, c'est une manœuvre. Ils n'ont pas mis en eau parce qu'il n'y avait pas lieu de mettre en eau. Tout simplement parce que c'est des buildings là au-dessus, c'est des civils qui habitent là. Ils ne peuvent pas mettre en eau parce que si un tuyau pète, bah ça défonce tout. Et donc voilà, ils sont montés jusqu'en haut et voilà, ils ont éteint le feu. Donc là c'était une simulation, un entraînement pour montrer à peu près comment ça se passait. Donc ils m'ont expliqué qu'ici les binômes c'est 4. Donc voilà, nous en France on est des binômes de 2. Eux ici a priori ils sont 4 si j'ai bien compris. Ils étaient 2 parce que manque de personnel, mais tout le monde n'était pas là pour s'entraîner. Et donc voilà, c'était juste pour me montrer. Donc voilà, c'est à peu près comme ça que ça se passe. Donc j'espère que cela vous a plu. C'était intéressant. C'est intéressant de voir comment ils fonctionnent. Donc voilà leur équipement. Hein. Ça, en France on est à peu près équipé pareil. Et voilà, c'est super intéressant. J'espère que ce format vous a plu. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Bien sûr, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu pour cette vidéo. Et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube. Il y a plein d'autres vidéos de ce style qui arrivent. Et on se retrouve demain pour la prochaine vidéo. Voilà, moi je suis un peu crevé, j'avoue. Encore, j'ai même pas manœuvré. Eux, ils ont manœuvré, mais ils ont été super vite. Et voilà, des super mecs, super pompelards, super pompiers. Ça m'a fait plaisir de les rencontrer. Regardez la circulation là. C'est impressionnant ici, ça fourmille de partout. Et donc voilà, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve donc demain pour la prochaine vidéo. Rompez, que Sainte-Barbe vous protège. Et à demain les amis, ciao. Moi je vais quand même me déshabiller parce que je vais pas repartir avec ça à mon Airbnb. 'Ils m'ont invité à manger avec eux, ils sont super cool. Je suis vraiment content de partager ça avec vous, j'espère que ça vous plaît. Et on se retrouve demain les amis. C'est vraiment, je suis vraiment en train de vivre un rêve de ouf les amis. Ciao.